bien, salut à toutes et à tous, c'est Kenji. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle opération 1000 XP. Alors oui, je sais, il y a le guide pour commencer à War Thunder qui est encore en cours, mais je le mets en pause parce que comme j'ai changé de PC, que la version sur War Thunder, faut la mettre à jour, ça prend un petit peu de temps, donc normalement la semaine prochaine, ce sera bon. Bref, donc on se retrouve pour un nouvelle opération 1000 XP sur World of Tanks, avec encore une fois Maxime Legrand en vedette, et ce n'est pas pour rien parce qu'il aura réalisé pas moins de 1687 XP sans premium avec la médaille Radley Waters, donc en fait c'est minimum 8 kills, et il jouera en Ferdinand. Donc c'est un replay qui m'a passé donc il y a une semaine ou deux, et vu qu'il y avait le guide, bah, justement je pouvais pas, enfin le guide et plusieurs événements que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo, parce que là c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de vous en parler. Et ben voilà, donc on va se concentrer sur le replay. Et au passage, donc très rapidement, il m'a demandé de parler donc d'Alexis Legrand. Donc tu vois, on parle de toi. Voilà, on parle de toi, Alexis Legrand, on te salue. Je crois qu'il faudra qu'il dise, je crois que faudra qu'il dise la description pourquoi, parce que j'ai pas compris. Bref. Allez, c'est parti. C'est parti. On est sur la map Runeberg. Alors je vous montre rapidement les équipes, étant en pause si vous voulez. Voilà. Donc le Ferdinand est un char de tier 8, un chasseur de char de tier 8, allemand. Il est intéressant, c'est vrai qu'il est intéressant. Je pense, alors là, c'est une observation, c'est vrai que j'ai pas pu beaucoup voir le Ferdinand au final. Je pense qu'il utilise le châssis du Tiger P, parce que c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu le style en fait. Donc si c'est le cas, donc il aura son blindage, en toute logique. Alors par contre, le FPS est très très bas, je sais pas pourquoi. Peut-être baisser un petit peu. Ah non, je pense que. Non, c'est le replay, c'est le replay. Voilà, donc départ classique, hein, il part vers la ville, ce qui est plutôt un bon choix pour un chasseur de chars, parce qu'en effet, son blindage frontal étant toujours. Enfin, étant face. Comment vous expliquer ça? Quand on est dans une rue et qu'on présente en premier lieu son blindage frontal, le blindage frontal étant l'atout d'un chasseur de chars. C'est un avantage indéniable. Et c'est vrai aussi que pour nettoyer une rue ou pour temporiser, le chasseur de chars est un atout de taille ou de poids. T'en fous. Bref. Donc là, bon, vu qu'il se passe pas grand chose. Ouais, bah, de toute façon, là, c'est le déploiement, donc il ne va pas se passer grand chose. C'est vrai que je continue encore les opérations XP, mais c'est vrai que je partirai aussi sur War Thunder. Sur le Grand Forces. Alors, je sais pas s'il s'appelle vraiment Grand Forces, au passage. Avec les chars, parce que c'est vrai que ça c'est le nom de la version PS4, mais vu que j'ai pas trouvé de nom au final pour les chars, j'appelle ça Grand Forces. Au plus j'aime bien en plus, j'aime bien. 484 points de perdu pour le T150, c'est un tir plutôt. C'est un beau tir, malheureusement c'est le KV3 qui volera son kill. Allez, il a fait 1687 XP, il a sombre à 30 ailleurs. Il tire sur l'IS, 454 points de vie perdu, attention, il va falloir que je reprenne le truc, ça fait quand même pas mal de temps que j'avais fait une opération XP. Allez, yes, yes, il tire, et non, il tire pas. Alors par contre, attendez, je vais peut-être régler un petit peu le paramètre vidéo, parce que ça m'a l'air un peu même. Alors, texture, je vais peut-être, ça c'est bon détail, je mets en moyen, terrain, je touche pas, l'eau, non, un élevé, tout ça s'en fout, putain, je touche pas à ça, blablabla, je touche pas, post-traitement, comme tant mieux, c'est bon, voilà. Non, pas moyen, non, pas annulé. Ça a pas nul. Bon, je crois que ça a été un peu plus fluide. Oui, on aurait gagné un peu plus d'FPS. Oui, non, faut tester ma peau. 460 de perdu pour l'IS. Il recule, il préfère recharger un petit peu. Oui, bah, de toute façon, c'est le truc, je pense que n'importe qui aurait fait. Allez, vas-y, vas-y, tire. Non, enfin, attends, vas-y, montre-toi. Allez. Premier kick, 309 XP de perdu pour l'IS. Premier kick de la partie. Et bah super. Bah super, t'as fait un kill mon grand. Oh par contre il se met juste devant lui, ça c'est pas un très bon choix. C'est vrai que par contre les 4 étaient détruits, mais c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Ne vous mettez jamais devant un allié qui pointe dans une direction. Pourquoi? Parce que si vous passez devant lui et qu'il se met à tirer, c'est lui qui devra payer. Et ça franchement les gars, c'est pas très sympa. Donc même si t'as fait un kill, c'est pas sympa de ce que t'as fait. C'est pas. Par contre, est-ce qu'il a fait un kill quoi? Non, même pas. Bon, T34-85 était protégé par le blindage du L4 qui était détruit. Bien, c'est quoi comme char? Un KVS.
Allez, bon, pour l'instant, il sécurise ses drapeaux, ça avance plutôt bien, le cap se fait enculer. Il a d'ailleurs raison, parce que face à ses chars, ça sert vraiment à rien du tout. Il a payé le prix, 296 points de perdu pour le LK à cause du prince au KV3. Il aurait peut-être dû reculer, battre en retraite, et permettre à des chars plus lourds d'avancer. Il aurait peut-être pu flanquer, je sais pas, quelque chose comme ça. Là, il préfère tirer en avançant très mauvaise foi. Ah, voilà. Vous voyez, maintenant, il s'est fait toucher par le KV3. Bon, je sais, là, je suis en train de charrier. Mais c'est con, mais pourtant, c'est logique. Bon, on ne passe pas devant un allié qui tire. Et avec le chasseur chien aussi, particulièrement, on ne tire pas en avançant. Parce que le truc, c'est que ces chars ne sont pas équipés de stabilisateurs. Donc, très rapidement, en fait, un stabilisateur, c'est ce qui vous permet de viser, de tirer tout en visant. Enfin, tout en avançant. Je vais y arriver. Donc, le char, en fait, quand il avance, le canon, donc il bouge aussi. Le stabilisateur permet de compenser, donc plus le stabilisateur est bon, plus la compensation sera bonne. Ça permet donc de mieux viser. Et d'ailleurs, ça a été ajouté avec la mise à jour à la 8.8, si je ne me trompe pas, ou 8.7. Bon, c'est un choix assez discutable, parce que ça, ils sont arrivés assez tard dans la guerre, les stabilisateurs de visée, voire même assez... Mais c'est surtout équipé pour les chars qui sont faits pour les avancer. Et pour les frappes, pas chirurgicales, mais comment dire, pour les A, comment ça s'appelle ça? Ah, j'ai oublié son nom. Bref, vous voyez, c'est pour les chars qui sont basés sur le mouvement, en fait, comme par exemple les chars moyens, comme le T-34-85 au final. Plus, ils doivent plus bouger au final qu'un char lourd. Donc le c'est avantageux. Quatrième qui est de la partie, le prototype T-28 américain. Voilà, encore 4. Il va nous faire les 4 là, il va nous faire les 4, je vous le dis, il va faire les 4. Le KV4, le T29, va nous les faire tous les deux. C'est un bon sens, mais il est chaud ce 6 là, il est chaud. Tire. Ah, ricoche. C'est ça, je trouve le KV4 un bon blindage. Hein. C'est vrai que c'est assez peu utilisé au final, malheureusement. Mais le point fort du KV4, c'est réellement son blindage. Le T29 a été détruit. Il a très mal, le T-29 a très mal joué, il a montré son châssis. Ça, c'est vraiment très mauvais. N'importe quel pilote de tankiste lourd américain, il retire sa ricoche à nouveau sur le KV-4. Vous voyez que la tension est énorme. Parce que malgré la puissance de feu du Ferdinand, il n'est pas capable de pénétrer le KV-4. Là, 489 points de talus, il a tiré dans le bas du châssis. Donc voilà, il a eu de la chance. Il a eu de la chance, mais voilà, après il faut dire aussi que le KV-4 n'a pas une chance exceptionnelle non plus. Là, il a réussi à détruire le KV-4. Voilà, donc c'est vrai que si t'es au corps à corps, le KV-4 aurait facilement tenu Ferdinand. Et là, à cette distance-là, c'est vrai que c'est Ferdinand qui a plus de chances de le remporter. Donc là, le T-32 a été détruit. Ouh, pardon. Bon sang. J'aime bien. S'il vous plaît, je veux le dernier kill. J'étais tout seul. D'accord. Oh merde, je suis en train de faire le floofy. Non. Oh, je sais. Bref, donc je disais, C'était quoi qui a été détruit? Le T28. Ouais, le T28 a été détruit par l'artillerie. Le Gateway Panther. Donc c'est un camion artillerie qui est quand même très dangereux. Parce qu'en fait, il a un angle. Il a un angle pour le... Ah, je sais pas comment ça s'appelle ça. Un champ de vision, je sais pas comment ça s'appelle ça. Oh, il a fait un... Mais il a la possibilité, donc le... Vous savez le fait qu'un... Ah, arrête de bouger. Le fait qu'un canon artillerie puisse tourner son canon, en fait, bouger son canon sans bouger son char. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, hein, je vous dirai ça dans la description. Enfin, je vous dirai ça dans les commentaires. Je sais pas, parce que là, j'ai un trou de mémoire, c'est vrai. Mais voilà, en fait, le Gateway Panther est un de ceux qui a le plus large, en fait. Je dis bien un de ceux, parce qu'il y en a d'autres. Et ce qui en fait un adversaire très dangereux, parce qu'en fait, il reste précis, même pour les cibles mouvantes. Donc c'est vrai que c'est un canon très intéressant. Bon, alors, dernier kill de la partie, il a fait 8 kills, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc 8 kills, je vais vous mettre tout de suite les scores que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce qu'on a? Médaille guerrier, donc c'est évidemment Mega Radial Warthus pour avoir fait 8 kills. Il a... Ah, par contre, c'est dommage que je puisse pas regarder les autres. Donc, il a endommagé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chars. Oui, 10 chars. Bon, j'ai vite compté, je sais pas s'il y en a d'autres.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10. Dommage, j'ai 10 chats. Il en a détruit 8. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. C'est un très bon score en fait. Hein. C'est un très très bon score. C'est vrai que j'ai rarement vu un score aussi bon. Il a fait 1687 XP sans le premium. Avec premium, ça leur a donné 2530. Il n'y a pas eu le x2, donc ça c'est dommage. Hein. S'il a eu le x2, il aurait pu avoir plus de 3000 XP. Et avec le premium, plus de 5000. Donc c'est vrai que c'est un score qui est assez impressionnant. On voit le reste de la partie. Donc c'est le meilleur joueur de la partie, évidemment. Il a gagné 2 médailles, comme on peut le voir. Le T28 est arrivé juste deuxième avec 1057 XP. Donc comme quoi. Et voilà, au final, ça c'est des scores plutôt classiques, hein, 639, 612, 428, c'est vrai que ce sont des scores plutôt classiques, assez bas même, je dirais. Mais voilà. Ensuite, bon voilà, c'est il est dans le positif, hein, il a reçu 48 000 crédits, il en a dépensé à peine 23 000, 24 000, pardon. Non, c'est bon, une bonne partie, c'est vraiment un truc qui est vraiment intéressant. C'est vrai que, bon, vous allez me dire, il avait un Ferdinand, il était dans les meilleurs tiers de la partie, enfin, il était dans les top tiers. Est-ce que c'est. Est-ce que, au final, est-ce que c'est un réel impact, au final? Est-ce qu'il mérite, en fait, cette vidéo? Bah, je dis que oui, il mérite cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai fait juste 1000 XP. J'aurais fait. Ouais, mais là, tu l'as fait avec un Ferdinand, donc la puissance de feu, excuse-moi, c'est quand même assez exagéré. Bah, c'est quand même un peu facile. Surtout qu'il était dans le top tier, ça a été quand même assez facile, on va aller 1000 XP. D'ailleurs, il y avait T28, vous avez pu voir. Cependant, 1687 XP, c'est un score qu'on voit assez rarement au final. Et oui, il mérite cette vidéo. Il mérite amplement cette vidéo. Et c'est pour ça que je m'y suis consacré. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, à m'envoyer vos replays. D'ailleurs, je vois que XW1 aussi s'amuse à. Alors, on sort des replays, donc fais attention, je te prie, je te surveille toi XWR, je te surveille. Au passage, félicitations, tu auras bientôt 3000 abonnés, bien, bravo. Et voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos replays, bien entendu, l'adresse mail est dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer. Franchement, essayez, hein. Si je les prends, tant mieux. Si je prends pas, c'est peut-être parce que j'ai pas eu le temps, ou parce que j'ai autre chose en tête, ou parce que j'ai pas vu, oui. Ça c'est assez rare parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mails. Oh, je sens seul. Mais voilà. Quelle autre chose à dire? Oui, n'hésitez pas donc à regarder la série sur Tropico 3. On a terminé donc le premier niveau de campagne. Là on va faire une partie libre. Et quand j'aurai fait donc à peu près, donc là j'estimerai à 6-8 vidéos, plus ou moins. Donc quand on aura atteint l'an 2000, on arrêtera la série. Et on passera sur une nouvelle série. Un autre jeu qui m'avait beaucoup marqué. Bien sûr, je ne dirai absolument rien, mis à part l'indice que vous avez sur votre écran, mais rien d'autre. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, bah oui, le guide pour bien commencer War Thunder reprendra un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, normalement, à partir de la semaine prochaine, ça reprendra. Et on nous lancerons sur les chasseurs-lois. Aussi, est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, il y a M. Schnuffy qui avait envoyé donc une vidéo qui a vraiment été très intéressante. Enfin, qui était pratique, pardon. C'était les arbres technologiques officiels, maintenant c'est bon, c'est officiel, de War Thunder Ground Forces. Donc les chars qui seront disponibles à la sortie. Donc pour l'instant on a accès qu'aux chars russes et allemands. Mais cependant, je constate que par rapport à World of Tanks, ils se sont quand même amusés à mettre certes les mêmes chars, mais différents modèles de chars. Exemple, on a le Panzer 4, mais on a plusieurs modèles de Panzer 4. On a le modèle de Panzer 4 classique, le modèle avec les plaques de. Avec le blindage réactif, on a plusieurs blindages, enfin plusieurs modèles de chars, et sincèrement je trouve que c'est quand même intéressant. Il avait aussi donné un lien vers des gameplays de chars de War Thunder, et croyez-moi, War Thunder Ground Forces va être un bon jeu, ça va vraiment être bon, graphiquement c'est superbe, et on se sent vraiment avec un char en fait. Après, pas entièrement, parce que je ne sais pas du tout comment se passe, enfin s'il y a une vue intérieure, si oui. Alors là, le jeu sera très très bon, je me lancerai dessus. Sinon, bon, ça sera un World of Tanks 2.0, on va dire. Mais voilà, donc ce sera ça. Est-ce que j'ai autre chose encore une fois à vous dire? Ou une toute dernière, c'est aussi que je me suis lancé sur Project Reality. Donc c'est des joueurs, des personnes qui jouent sur ce jeu. Donc c'est un mode pour Battlefield 2 qui a été présenté par Leviat40.
Donc si une personne qui joue dessus, donc dites-le moi, on pourra faire des parties ensemble. Et je prévois aussi d'enregistrer quelques parties et de vous les mettre ici. Surtout qu'en plus, le pilotage de char est vraiment très intéressant et j'ai envie de vous partager ça, ce sera vraiment intéressant. Voilà, donc ce que j'ai tout dit, oui j'ai tout dit. Ça y est, j'ai enfin réussi. Allez, j'espère que c'est... Bon, et puis merde, allez, passez une bonne journée. Allez, bye tout le monde.